Bonjour à tous, on est le 7 septembre 2019, il pleut, regardez c'est quoi devant moi, voilà, les tomates, moi ça, hop là, on dit c'est une année de pluie. Voilà, voilà, j'ai en train de voir les tomates qui sortent, par exemple, comme ça. Voilà, je le remets. Ah, il y a des bagarres des oiseaux. Voilà. Voilà. En règle, j'ai fait le premier, deuxième et troisième. Voilà, là il me reste celui-là, le tomate qui me dépasse. Moi j'ai 1,84 m et là hop, il me dépasse. On va dire 2,30, 2,50. Voilà, voilà. Regardez-moi ça, rien qui dépasse. La même chose. Voilà le poivron qui reste. Vous voyez? Moi, mes poivrons. Les pauvres, ils vont pas me nourrir. Les pauvres. Voilà. C'est ce côté-là. Face au. Et cette côté là j'ai fait aussi, voilà, ça. Quelques récoltes pour ce soir, voilà, j'ai fait aussi cette côté là. Voilà. Aussi j'ai fait des salades, j'ai planté des salades. Voilà, et là c'est des poivrons. 5 variétés. J'ai fait, ils viennent de sortir. Non, ils sont sortis avant, mais ils sont restés petits. Je sais pas pourquoi. Voilà. Alors, les poivrons, les poireaux, regardez-moi ça, je viens de le couper, hein. Là ça fait 6 jours, 7 jours je crois, regardez-moi ça, ils sont doublés, voilà la taille, vous voyez tout ça, hop là, c'est taillé là, regardez c'était là, regardez-moi ça. Son garde à vous. Voilà, voilà. Ah, par contre, les merles, chaque fois, ils creusent. Voilà. Alors. On va voir cette côté-là. C'est un moment que on n'a pas vu. Regardez-moi ça. On va de l'autre côté pour que ce sera bien. Oh là là. Regardez-moi ça. Oh là là. Magnifique. Alors. Alors c'est quoi ça? C'est de butternut. On a assez. Ça n'aime pas.
Probablement ils sont à côté de mes pieds. Butternut. Et là, la citrouille de Maroc. Ils sont tous partis chez les voisins. Moi, j'ai dit, il m'a dit, il n'y a pas de souci. Moi, je me dis, de toute façon, ils sont partis chez le voisin. Je sais même pas. Voilà. Tout ça. Ah, vous avez quoi les oiseaux? Butternut. Butternut. Les fleurs. Regarde là-bas derrière encore. Regardez-moi ça, il dort. Regarde l'autre ici. Oh, il y a une tomate qui est déjà prêt. Même pas vu le numéro 2. Là, je regarde après. Voilà. J'ai même pas pensé à faire un vidéo aujourd'hui, mais voilà. Regarde-moi les zébras. Noir de Crimée. Pouf. Pas qu'ils vont. Voilà, le passage est bien fait. Là, je mets des salades. Là, tout ça. Bleu, bleu, blotti. Cœur de bœuf. Corni. Ah non, les tomates là-bas. Ah, regarde-moi les feuilles, comment ils sont. C'est ça ce qu'on cherche. Et ça, c'est à l'extérieur. Vous voyez? C'est pour ça que je taille en bas. Et on va s'effiler en haut. Pas de soucis, c'est bien bien aéré. Moi ça. Moi toujours. Aucun tache sur le feuille. De toute façon, il faut pas. Il faut pas une tache, sinon. Ça, c'est mon travail. Même ça commence à faire froid. Là, ça descendait à 2 degrés. Hein. 2 degrés, et ça fait 3 jours, et là, baissé à 2 degrés. Et ça, c'est difficile pour les tomates. Ah, il y a un cornet tombé. On masserait après. 2 degrés pour les tomates, ils vont arrêter, ils vont pas rougir. Mais voilà. Vous voyez, c'est la différence entre les tomates qui restent. Ça, ils sont pas taillés, rien du tout. Vous voyez, c'est rien à voir. Et ça, c'est sont toujours
retire le gourmand, toujours. Vous voyez, rien à voir avec les autres. Claire, les feuilles sont claires. Voilà. On va voir l'autre côté. Alors, regarde-moi ça. Cette tomate. Le titeur, il est à 1,20 m, à 2,20 m. Il l'a dépassé. Je suis sûr que c'est 3 mètres, hein, celui-là. C'est sûr et certain. Parce que là, le titeur est déjà là. Vous voyez, juste là, il est fini. Juste là, il dépasse 3 mètres, c'est sûr et certain. Regarde les autres aussi. Alors, on va regarder le moulon. Je crois, la semaine prochaine, il sera prêt. Voilà, la semaine prochaine, il sera prêt. Regarde l'autre aussi. Celui-là, 2 semaines. Regarde-moi ça, c'est quoi? Sésame. Courge de sésame. Courge de sésame. Courge de sésame. J'ai tous derrière, là. Derrière, c'est du sang. Partout, partout, là. Je suis parti. Parce que là, je peux pas rentrer pour l'instant. Faut que le voisin y être. Voilà, normal. Et voilà. Et l'autre, j'ai oublié. La troisième, celui-là un petit peu long. Oh, il est derrière. Il est derrière, il se cache. Après les autres, je sais pas si on a derrière. J'ai même pas vu ici derrière. On va voir ça après. Les pommes de terre, on les voit même pas. Ils sont encore verts, hein. En bas, vous voyez, ils sont encore là. Les pommes de terre est protégées. On va voir qu'est-ce qu'ils vont donner. On va découvrir ensemble. Voilà. Bah, merci pour les messages à tout le monde. Les gens qui regardent ma chaîne après ils m'envoient des messages et tout. Merci pour tout le monde et pour eux n'hésitez pas pour les graines si vous avez regardé quelque chose qui vous plaît n'hésitez pas voilà plein de tomates ici oh là 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 plein de tomates ici. Moi ça derrière et j'ai caché attends je sors à l'extérieur j'ai jamais sorti je sors vous regardez j'ai caché c'est à l'extérieur ne venez pas de les chercher hein. Alors ça c'est entre nous hein. Faut pas regarder qu'est-ce que c'est ça allez caché c'est à l'extérieur. Là, je suis à l'extérieur. Mais c'est calmos. Voilà, c'est à l'extérieur. Regardez-moi ça. Sans dormir à l'extérieur. Je préfère sortir à l'extérieur. Vous voyez? L'autre là. L'autre là. L'autre là, l'autre là, plein, 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 partout. Voilà, bah, je suis à l'extérieur. Par contre, il faut le. Je vous dis au revoir. Et à la prochaine. Allez-moi ça. À bientôt.
À bientôt, bientôt. Celui-là, c'est remonté même pour les. Voilà. Donne-moi des tomates ici. À bientôt. Ciao.